Bon, me revoici pour un vlog en raidathon. Je suis trop contente avec Lana qui fait un raidathon de 12 heures. J'ai calculé, ça fait 12 heures. Elle dit 24 heures, mais ça fait 12 heures. Alors, je vous explique le programme, je vous explique tout en rapidos. Et parce que là, ça va pas tarder à commencer. Là, actuellement, il est 18h54, ça commence à 19h. On termine à minuit, on reprend à 10h jusqu'à midi, de 14h à 19h, donc ça fait 12h. Dites-moi si j'ai bon, hein, encore quand même en commentaire. Donc voilà. Donc pendant ce raidathon de 12h, je voudrais lire Touloulou, Love Charlie. Donc je l'ai. Donc c'est une. Comment ça s'appelle? Bah, d'ailleurs, une lecture commune donc avec Lana et tout un groupe de personnes sur les réseaux. Et comment dire, normalement on avait tout le mois pour le lire, mais je me suis dit, je suis tellement, j'aime beaucoup cette lecture, donc je pense bien la finir au plus vite. Je suis à 43% au chapitre 16, je sais pas si vous allez voir. Donc les reflets, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, selon où j'en suis avec cette lecture en 12 heures, je voudrais lire. Continuer à lire Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan que j'avais commencé mais que j'ai pas beaucoup avancé. Je suis vraiment, enfin genre j'étais à page 66 il y a 2 jours, un jour, ouais, depuis hier, et j'ai lu qu'un chapitre sur la page 70, donc avancer un maximum dessus. Donc voilà, en fait le truc c'est que moi je voulais me tenter à lire deux lectures en même temps, sauf que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à lire deux choses en même temps, j'aime bien lire un par. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais finir Love Charlie et puis ensuite je vais aller avec Delphine de Bigon. Voilà pour ça, je vais mettre le live sur l'ordinateur si j'ai assez de batterie, de toute façon au pire des cas je chargerai en même temps. Et je vais installer mon casque pour être plus tranquille. Donc voilà, je n'ai pas mangé. Je ne suis pas en pyjama. Voilà, j'ai pas fait ma toilette. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On fera au fur et à mesure. Elle fait des sessions, je crois, c'est de 35 minutes ou 45 minutes, je sais plus trop. Et voilà, donc ça fait ça. Je vous laisse et je vous montre quelques images. Actuellement 22h11. Alors la dernière session je n'ai pas lu énormément, j'ai lu un quart d'heure, après je suis partie promener les toutous. Là j'en suis à 59%, donc chapitre 22, j'avance assez bien, je sais pas si vous allez voir, voilà, j'avance assez bien. Donc voilà, on va j'espère avancer un maximum aujourd'hui et demain, j'aimerais au moins demain matin le finir. Donc voilà, et cette fois-ci je suis dans le lit posé, et je pense que je vais me poser jusqu'à minuit dans la chambre. Let's go! Hello tout le monde! Bon, on est donc le lendemain, on est samedi.
18, que je dis pas de bêtises, il est 19h09. Le live il a commencé, mais la lecture n'a pas encore commencé. Moi je vais déjeuner en même temps. Et hier soir, donc le live s'est terminé vers minuit 10. Moi j'ai fini juste mon chapitre, donc vers minuit 15 à peu près. Il me restait plus grand chose. Il a déconné, lui, il faut que je regarde ce qu'il m'a fait. Mais j'ai bien avancé sur Love Charlie, que je dis pas de bêtises, parce qu'en fait il a déconné, clairement. Oui, il a déconné, donc j'en suis au chapitre 3. Il déconne, ma tablette déconne clairement, j'en suis, 33 pardon. Et donc j'en suis à 79%, donc il me reste ouais, une vingtaine de pourcents, donc ça irait. Mais là ma tablette clairement elle déconne, donc je vais revenir en arrière. Je sais pas ce qu'elle fait. Enfin bref, donc j'espère les finir ce matin parce qu'il y aura deux sessions de 45 minutes. Voilà, là je vais déjeuner et je vous reprendrai plus tard dans la matinée. À peu près moins de 3 minutes. Je voulais juste, avant de reprendre ma lecture, je voulais juste vous parler donc de Love Charlie. Alors on est sur un, comment on dit, book boyfriend, je crois que c'est ça. En gros, donc c'est Charlie qui a perdu sa maman très jeune et elle avait un beau-père. Et sauf que bah, le beau-père, il est parti. Donc elle est partie chez la meilleure amie de sa mère et donc eux ils avaient un fils. L'ex qui donc était fils unique et qui a accueilli très rapidement Charlie, sauf que forcément au fur et à mesure on est sur des sentiments pas frères et sœurs mais plutôt des sentiments d'amour, sachant qu'elle n'a pas été adoptée, donc en fin de compte c'est pas choquant. Donc voilà, on est plus sur des histoires, une histoire d'amour. Malheureusement il va se passer quelque chose pour l'ex, même si c'est de l'amour pas, enfin c'est pas que c'est pas réciproque, c'est de l'amour qu'ils ont du mal à se dévoiler. Donc voilà. Et malheureusement, il va arriver quelque chose à l'ex. Donc je disais. Ça fait que il va se passer quelque chose, mais de tragique. Donc en espérant que tout se finisse bien. On verra bien. Mais en tous les cas, j'en suis à 80. Que je vous dise pas de bêtises. Il déconne. Elle déconne ma tablette depuis ce matin. Je suis dégoûtée. 87%, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, dans une minute, je reprends. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. C'est la dernière session, je crois, de ce matin. Que je dis pas oui, ce sera la dernière session de ce matin. Bisous. Recoucou. Donc là, il va être 14h, il est 13h55, comment vous dire, je vais reprendre, comment vous dire, comme c'est que je fallait que je trouve les mots, je vais reprendre donc le rédaction jusqu'à 19h, donc voilà. Par contre sur la première session de 45 minutes, j'espère pouvoir finir Love Charlie, parce que bah, j'adore, franchement il est trop bien comme livre. Mais en même temps, bah voilà, comme ça au moins je pourrais lire autre chose et avancer. Et en fait, je voulais lire, vous savez,
le livre de Delphine de Vigan, mais j'hésite encore. Donc à voir tout à l'heure, parce que j'hésite entre reprendre une petite lecture assez petite, voilà. Parce que celui-là est mouvementé, et puis j'ai mal à l'œil. Oh, je change de sujet comme si de rien n'était. Parce que celle-là, elle est assez prenante. Mais d'un côté, je me dis, je sais pas, soit je reste sur le même mood, on y va, parce que savoir que Delphine de Vigan, c'est assez spécial comme écriture, j'aime beaucoup, mais c'est un autre genre que ce que je suis en train de lire actuellement, donc je me demande si je vais pas faire une petite transaction, genre un manga ou un truc comme ça. À voir. En tous les cas, je reprends. J'ai trop mal, je vous jure. Je me suis levée ce matin, depuis ce matin, j'ai mal. Vous savez, là, juste là. J'ai trop mal. Et j'ai des cernes, c'est incroyable. Je dors très mal, à vrai dire. Mais bon, on y retourne. En fait, je vous avais pas dit. Si, je crois que je vous l'ai dit, mais je suis à 97% de mon livre, donc voilà. Sinon, je le redis, c'est pas grave. Je radote. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right, living her dream. She's got that fire. Il me reste à peu près une minute avant de reprendre la deuxième séance de cet après-midi. Donc j'ai fini Love Charlie et en direct après, en fin de compte, je suis bien partie sur un manga. J'ai commencé Full House, j'en suis à la page 68. Bon, forcément, c'est un manga donc ça va se lire très vite. Comme ça, peut-être que j'enchaînerai après avec Delphine de Vigan. Je sais pas trop parce que j'ai envie de lire autre chose, je sais pas. Je verrai bien. J'aime beaucoup Delphine de Vigan, il n'y a pas à dire, mais parce que je suis pas dans le mood en ce moment. Sachant que voilà, mais j'en ai tellement à lire que je trouverais bien. En tous les cas, celui-là, il faut que je le finisse. Il fait 196 pages, donc vu que c'est un manga, ça va se lire assez rapidement. Donc voilà, c'est le tome 2. J'en ai déjà parlé sur les réseaux et tout, du tome 1, même sur mes bilans, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir mes bilans pour en savoir un peu plus sur les tomes 1. Donc c'est parti. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Actuellement 17h26, ça reprend à peu près dans 2 minutes l'avant-dernière session. Mais je crois que la dernière session, je vais devoir faire qu'une demi-heure et encore parce que, comment dire, je mange chez mes beaux-parents ce soir, donc voilà, on va pas arriver trop tard non plus. Donc voilà, mais en tous les cas, sur cette session, j'ai fini Full House, donc le tome 2 que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai. Je pense que pour ce soir, je vais pas filmer vraiment la fin. Je vous ferai peut-être un update plus tard dans la soirée ou plus tard demain. Voilà. Comme ça, au moins, vous l'aurez quand même dessus avec mes notes. Et je pensais continuer Delphine de Vigan, mais pas du tout. Je suis partie sur Big Game de Dan Smith, de l'édition Michel Lafon. Donc voilà, j'en suis à la page 25. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, je peux pas donner d'avis. Donc je reprends. Coucou tout le monde, il est 18h21, donc je vais arrêter mon vlog là, je vais arrêter mon rédaton parce que je vais chez mes beaux-parents, donc je dois me changer tout ça, enfin bref. En tous les cas, donc je suis quand même contente parce que j'étais à 43% de Love Charlie et je l'ai terminé. Ensuite, j'ai lu Full House, le tome 2 entièrement, donc je suis contente. Et au niveau de Big Game, j'ai lu 50 pages de Dan Smith, voilà. Alors, au niveau de Love Charlie, donc comme j'ai expliqué, je vous ai expliqué un peu le résumé. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Je lui ai mis la note, c'est mon chien qui me fait rigoler. La note de 5 sur 5, j'ai vraiment, 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 vraiment adoré. Pour une romance, je crois que c'est ma romance préférée, en tous les cas, depuis le début de cette année. Sachant que je lis des romances. Là, j'en lis un peu plus en ce moment, mais de base, je lis très peu de romances. Donc voilà, Full House, le numéro 2. Donc, on est, en fait, je vous explique un peu. Pour le tome 1, en gros, on est sur une jeune fille qui a perdu son papa et qui avait cette maison avec son papa. Elle a été expulsée, mais
Celui qui a racheté, c'est une grande célébrité. Et comment dire, bah en fait, en partant de chez elle, la fameuse célébrité, elle passe en voiture comme un malade et la renverse. Donc en fait, ils vont faire un pacte et je vous en dis pas plus. Mais elle avait absolument sa maison. Mais lui, il est pas au courant que c'est sa maison de base. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Donc voilà, c'est très bien. Le premier, j'avais adoré. Celui-là aussi, j'aime bien. Je suis sur 4. Voilà, on reste sur la même chose. 4 sur 5, c'est pas mal. Et donc, pour Big Game, pour l'instant, je ne peux pas vous en donner un peu plus. Je ne peux pas vous donner un peu plus de détails. Pour 50 pages, je ne peux pas faire mon avis. Moi, je ne veux pas faire mon avis sur 50 pages. Ça se lit assez rapidement quand même, donc j'espère pouvoir l'avancer rapidement, sachant que je l'avancerai pas ce soir, mais je l'avancerai peut-être demain, je verrai bien. Donc voilà, en tous les cas, je suis contente de ce rédaton. Et j'espère que ça vous aura plu. Je pense en refaire un quand possible. Mais j'aimerais bien en faire un petit peu moins en live, mais sur Instagram, parce que TikTok, je peux pas de toute façon, donc voilà. Donc voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous avez un commentaire ou si vous avez participé à ce rédaton, bah, n'hésitez pas aussi de me le dire en commentaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.